Soleil levé, maman, la ligne coussée noilée. Oh, ouais, ça fait là. Sa saison la, saison la, saison la noilée. Oh, ouais, ça fait là. Soleil levé, maman, la ligne coussée noilée. Oh, ouais, ça fait là. Sa saison la, saison la, saison la noilée. Oh, ouais, ça fait là. Ramasse ton badou, c'est mes, ramasse ton badou. Ramasse ton badou, c'est mes, allez, c'est pas tout. On n'a pas bien toi, c'est mes, on n'a pas bien toi. On n'a pas bien toi, c'est mes, on vient te bonner. Ramasse ton badou, c'est mes, ramasse ton badou. Ramasse ton badou, c'est mes, allez, c'est pas tout. On n'a pas bien toi, c'est mes, on n'a pas bien toi. On n'a pas bien toi, c'est mes, on vient te bonner. Soleil levé, maman, la lune douce et noilée. Alors, moi, trouvez-vous qu'il ne finit récolter les haricots, mais comment se fait-il qu'une récolte ça fait bonheur dans l'année? Enfin, même l'année, mais bonheur, pendant le mois, j'ai planté un mois de mars. Le mois de mars, tu es dans le confinement? Oui, mais on ne sait pas se passer, nous, quand on travaille. C'est donc, tu vas le tiens, fais joli, on va planter. Ou tu as une bonne récolte? C'est pas mal. Je suis bien vu. Mais là, quand c'est la terre, on ne sait rien, à propos de qui quand c'est la terre. Hein? Oui, il est mieux avant. Vous satisfait ou la récolte? Oui, satisfait. Mais là, comment on peut couler ça, la récolte là, hein? Je vais me planter un mot de ciment, c'est normal. Là, je peux battre la récolte. Vous vous rappelez comment maintenant tu fais ça longtemps? C'est un full blow ça. Ah bon, c'est pareil, moi même, bah des bois, je vais le mettre dans le sac, taper. Pendant que taper, nous sommes toujours. Mais vous trouvez que dans les haricots locaux, c'est un des plus meilleurs produits de Rodrigue. Ouais. Vous trouvez dans l'avenir pour planter ça? Et non, l'avenir. C'est pas la saison là qui. Ouais, parce que même pour le moment, nous commençons à gagner la vie. Après, nous avons beaucoup la brise, nous avons la pluie, ça nous fait un petit appel parfois. Mais c'est mon récolte assez correct. Le travail est fait. Qui, madame? Roussy, José Roussy. Oui. Oui, madame Roussy. Alors, vous êtes un petit peu plus dans l'âge, donc vous connaissez plus à l'époque. Si vous avez des haricots, on t'a pris comme ça. Mais aujourd'hui, tout ça ne sans zéro ou bien encore pareil? Non, presque pareil. Oui. Longtemps, mon mari qui tu fais ça, papa Stéphane. Et c'est là, il n'est pas trop innové dans l'âge, c'est bien malade. Et c'est là, Stéphane qui prend la relève. Et il fait assez bien, comment c'est papa? Alors, il en prend avec son papa? Oui. Ok. Vous trouvez dans l'avenir dans plantes d'haricots? Parce... Oui, il y en a beaucoup l'avenir. Mm-hmm. Je te disais, je prends patience, je profite de saison, je connais la bonne saison pour planter. Mm-hmm. Mais vous pensez capable de planter toute longue l'année ça, les haricots? Non, je ne crois pas. Il y a une seule saison. Mais là, vous êtes satisfait ou content, ça récolte? Ah bien. Oui. Je bien content, récolte mon grand-père de faire. Et il aime presque premier. Ça et je suis satisfait. C'est-à-dire que Rodrigue, là, il aime parmi les premiers qui fait récolte. Ah oui. Et je suis bien content. Et je pense que pour valeur, là, ça récolte le premier récolte, là, pour une grande valeur. Comme l'année dernière. Là, que vous pouvez faire, là? Hein? Là, mon petit, là, tout ce 26 lapes. 26 lapes, tout ce qui est une batterie, tout ce qui est. Oh, pour un client qui a un produit bien propre. Mm-hmm. Alors, qui vous conseille de mettre un haricot après, pour un bon menu, un haricot après, qui est le carré qui a mis de ça? Mais ça avec tout, quand même. Un haricot, avec du riz, et une bonne sortie pomme d'amour, un poisson frit, un rougaille, un riz, poisson salé. Un menu rodriguez. Voilà.
ou du rimail. C'est bien.